Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, on va commencer rapidement ce direct que j'attendais le retour de la lumière, mais je me rends compte qu'il n'y a pas. Il n'y a pas moyen d'attendre la lumière qui a été interrompue, comme d'habitude. Donc là. Nous allons faire avec, en vous saluant déjà au passage. Oui, c'est que vous attendez le compte rendu. Donc, bonsoir à tout le monde. J'espère que on va devoir commencer tout à l'heure et que vous êtes. Tous prêts à suivre ce compte rendu rapide. Est-ce que vous pouvez confirmer que le son va bien? Et Néo a décidé de couper la lumière comme d'habitude tous les jours, il s'en fout. Donc nous devons faire avec. Nous serons obligés de vous demander de mobiliser les autres en partageant le direct pour qu'on puisse rapidement travailler dans l'obscurité, bien sûr, mais on n'a pas le choix, on doit faire notre travail. La lumière est partie en fou, il n'y a pas de lumière. Donc, mais on doit faire avec. Le son est bon et la visibilité est bon, tant mieux. Ok, très bien. Merci Achille, merci Hervé, Kamga. Oui, Kemfak, merci. Evelyne aussi, c'est bon. On va donc commencer. Oui, on attend que le courant soit atteint rapidement. On va commencer ce compte rendu et je vous avais annoncé que ce compte rendu. Et pour ma part, historique, parce qu'il permet de voir l'évolution de l'histoire de la justice camerounaise. Et je crois que c'est le bâtonnier Charles Tchungan qui l'a bien martelé. Cette date du 6 mai 2024 restera dans les annales de l'histoire, du point de vue de la défense, du point de vue des avocats de la défense, du point de vue des avocats de la partie concernée comme civilement responsable, du point de vue de la partie civile et aussi du point de vue, que dire, de l'ensemble de la communauté judiciaire qui est concernée par ce procès. Donc c'est un procès retentissant comme on aimerait à le dire, mais il s'est vraiment caractérisé aujourd'hui par quelque chose d'inédit. Je commence par là parce que c'est en cela que c'est aussi historique. Je vais vous prier d'être un peu attentif. L'audience d'aujourd'hui déterminera fatalement l'issue des débats à l'avenir. Donc, je vais être assez bref parce que l'audience a duré près de plus de 4 heures de temps. Et en 4 heures de temps, j'ai beaucoup pris de notes.
Je suis à 33 pages de notes. Donc, je ne vais pas vous donner toutes ces histoires, mais je vais vous donner l'essentiel. En ce sens que je dois vous rappeler, c'est un livre qui doit paraître un de ces jours sur ce procès et sur les dessous de tout ce qui se passe. Et ça ce n'est pas maintenant que je vais mettre ça à disposition du public. Donc, je voulais vous remercier d'être déjà. Non, le courant est déjà atteint, donc pour commencer. Donc, je voulais vous dire que ce jour, 6 mai 2024, s'est déroulée la suite du jugement des accusés, le procès de Feu Martinez Ogo, le procès de ses accusés, des accusés de son assassinat, le procès de ceux qui sont présentés officiellement comme les responsables de sa mort, de son assassinat. Donc, le procès, je peux dire en gros qu'il a porté sur trois moments. Trois moments, c'est-à-dire qu'au début du procès, où le président a donné la parole au commissaire du gouvernement pour qu'il explique les réquisitions par rapport au motif du renvoi de la cause. C'est la première phase de ce jour. Et le président a demandé que le procureur général, c'est-à-dire que le commissaire du gouvernement, donc quand je dis procureur général, c'est un lapsus parce que je confonds souvent un peu cette terminologie. Le ministère public, il faut dire le ministère public, c'est-à-dire que le commissaire du gouvernement donne ses réquisitions par rapport aux attentes, aux demandes relatives à la communication du dossier de procédure et à l'autre demande quant à la communication de la liste des témoins. Donc, ça a ouvert le débat aujourd'hui. Nous avons ouvert le débat, le président a ouvert le débat sur ces deux réquisitions, ces deux demandes au procureur, au ministère public. Excusez-moi, je suis un peu fatigué parce que ça fait 2 jours que je ne dors presque pas. D'émission à Douala, à retour sur Yaoundé et tout ça. Donc, ça va être un peu lourd, mais bon, je tiens à ce que je fasse, à ce que ce compte rendu soit fait. Donc, je vous assure que c'est un procès historique. Historique, pas par la qualité de l'assassinat de Martinez Ogo nécessairement, mais aussi par la tournure que prend ce procès. Vous savez que les affaires de justice, il est interdit de les commenter, mais la lecture philosophique que nous en ferons à la fin de ce compte rendu est importante aussi bien pour le tribunal qui est en train de statuer maintenant que pour les parties impliquées dans l'affaire. Et quand tu parles bien de parties, c'est aussi bien au niveau des la défense, c'est-à-dire les avocats des accusés, que pour la partie civilement responsable, c'est-à-dire que l'État du Cameroun, et la partie civile, c'est-à-dire que les ayants droit de Martinez Ogo, pour dire ça simplement comme ça. Donc, il est important que vous compreniez pourquoi j'insiste sur le caractère déterminant des débats de ce jour. Les débats ont été ponctués par on peut diviser ça en trois phases. Première phase, c'est les débats qui a eu lieu à la suite des réquisitions du procureur, telles que demandées par le président du tribunal. Deuxièmement, il y a eu une pause, pas une pause officielle, mais il y a eu une pause, une concertation, une longue concertation. Après, c'est les objections de la partie de la défense. C'est-à-dire qu'il y a une longue concertation au niveau de la collégialité du président et la collégialité du consul au tribunal. Quant à savoir qu'est-ce qu'il faut retenir des arguments avancés par le barreau. Parce que je vais vous dire ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est inédit. Parce que justement, nous avons vu, nous avons assisté à quelque chose, à une scène inédite, où tous les avocats, que ce soit les avocats de la défense, que ce soit les avocats de la partie civile, que ce soit les avocats de ceux qui sont considérés comme civilement responsables, c'est-à-dire l'État du Cameroun, DGRE, ont plaidé de manière concertée à ce que le dossier de procédure soit remis à au moins une partie du dossier de procédure soit remis à la défense. Pour garantir l'égalité des armes devant le tribunal. Donc, ça a été le premier moment. Il y a eu donc une longue concertation qui a abouti
je peux dire que c'est une deuxième phase, parce que c'est à la suite de cette deuxième phase, c'est-à-dire la deuxième prise de parole du commissaire du gouvernement, qui pour moi est une phase transitoire au grand débat qu'il y a eu par la suite. Et je vous assure, mesdames et messieurs, vous aurez dû être là, vous ne pouvez pas peut-être être là physiquement, mais quelque chose d'inédit s'est passé dans les tribunaux, aujourd'hui même à Yaoundé, au tribunal militaire. Je commence donc par le premier point. Premier point, c'est les débats à la suite de la réponse du procureur du ministère public, suite à la demande formulée par les parties au procès. Le président donc d'Anctam, lorsqu'on commence le procès à 10h55 minutes, il rappelle qu'il y a deux points qui ont justifié le motif de renvoi de l'affaire, de la cause. C'est-à-dire qu'il fallait citer l'État du Cameroun comme devant, en qualité de civilement responsable. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer, les réparations et tout le reste, c'est l'État du Cameroun, DGRE. Il fallait qu'on cite donc l'État du Cameroun de manière formelle. Deuxièmement, qu'on décide, qu'en est-il de la communication du dossier de procédure aux parties impliquées, aux parties au procès. Ce qui s'est passé donc, c'est qu'on a d'abord, le président a d'abord donné la parole au commissaire du gouvernement pour qu'il explique sa position par rapport à ces. Quelles sont ses questions par rapport à ces deux points? Le commissaire du gouvernement a dit que. En gros, il a refusé tout cela. Il a dit que ça ne pouvait pas. Premier point, non, il a dit que. Il a cité l'État du Cameroun. Il a répondu à deux points, à ces deux points-là. Premièrement, il a dit que les diligences ont été faites par rapport à l'affaire de citer le Cameroun, l'État du Cameroun, c'est-à-dire la DGRE, comme civilement responsable. Donc, il a dit que ça a été fait. Et bien évidemment, par la suite, les avocats de l'État du Cameroun, c'est-à-dire Maître Kouassila et l'autre avocat, ont été aussi constitués. Bon, ça va être formalisé par la prochaine audience. Ont été conçus comme devant toujours poursuivre la défense de l'État dans cette cause-là. Deuxièmement, le commissaire du gouvernement s'est donc prononcé sur la question de la communication du dossier de procédure. Et pour lui, il a maintenu sa position. On devrait consulter, les avocats devraient consulter le dossier. Simplement, les avocats n'étaient pas fondés. Suivant la loi, d'après ce qu'il expliquait, n'était pas fondé à demander une copie du dossier de procédure. Dossier. Et vous allez voir les débats qu'il y a eu par la suite. Et à ces réponses-là, premier coup de théâtre, tout de suite, le président a demandé l'ouverture des débats. OK. L'ouverture des débats. Parce que pour lui, la question était close. Et il a pris la peine de vérifier la liste des témoins produits par le bâtonnier Tchungang. Et il a dit, ça, ces questions préjudicielles sont résolues. Donc, on doit passer au débat. Or, c'était là le début des vrais débats. Pas les débats du procès, mais les débats pour revenir à ces objections. À ces demandes qui, pour les parties au procès, notamment la défense, sont préjudicielles. C'est-à-dire qu'on doit résoudre ça avant toute chose. C'est pourquoi l'avocat de Coeco, d'Antam, a dit que non, il faut qu'on constitue toute la partie civile, que toutes les parties démontrent, s'assurent que leur liste de témoins a été déposée. Le président a confirmé que tout a été déposé, tout est en ordre. Alors, les débats procèdent donc, commencent donc par la question fondamentale de savoir est-ce que le commissaire du gouvernement est fondé en droit et suivant les principes généraux de droit, en droit camerounais, suivant la légalité, la législation camerounaise, d'une part, et d'autre part, suivant les principes généraux de droit, est-ce que l'avocat, le commissaire du gouvernement, le ministère public, donc, est fondé à refuser aux parties au procès
L'obtention d'une copie du dossier de procédure. Les débats ont commencé à ce niveau-là. C'est la première phase véritable du débat. Et la personne à prendre la parole d'abord, c'est l'avocat du Cameroun qui a mis en avant, ils sont deux, pas Maître Claude Achille à l'autre, il a pris la parole pour dire que, du point de vue, je vais, de procédure, voilà. Il a dit que, en fait, la question de la communication du dossier de procédure est un droit absolu. Écoutez bien l'affaire. Ça, c'est l'État du Cameroun qui dit au tribunal que vous ne pouvez pas prétendre que les parties au procès, qui sont les parties au procès, n'ont pas le droit d'avoir accès au dossier. Ou du moins, qu'ils n'ont le droit d'accéder au dossier n'est-ce que, seulement du point de vue de la consultation des pièces. Elle a démontré que non, c'était juridiquement inopérant, c'est-à-dire que une violation de la loi. Et il a porté l'attention de la collégialité sur ce fait-là. C'est-à-dire que la question de la communication de ces procédures est impérative. Pour lui, la consultation du dossier simplement n'est pas, c'est pas suffisant. On ne peut pas seulement, vu le nombre d'avocats, je vous rappelle que c'est l'État du Cameroun qui parle. C'est-à-dire que c'est l'avocat des représentants de l'État du Cameroun qui parle, qui représente la DGRE. Et il vous souvient qu'au départ, Maître Bouni avait dit qu'il préférait le huis clos dans l'affaire. Et l'État du Cameroun avait demandé que les débats soient publics. Je vais vous dire pourquoi c'est intéressant, cette partie, tout à l'heure. Mais l'avocat du Cameroun, de l'État du Cameroun, l'IKEFAC, Maître l'IKEFAC, je crois, il a fait comprendre que, du point de vue des dispositions légales, il n'est pas vrai de prétendre qu'on doit mobiliser l'article 413 seulement pour justifier que non, les avocats doivent aller seulement consulter le dossier. Parce que ça, c'est l'objet. Dans ce cas-là, il y a possibilité de manipuler le dossier. Il y a possibilité de vouloir cacher même quelque chose dans le dossier. Et deuxième aspect, c'est que non seulement la loi, le dispositif légal à partir de l'article 165 du Code de procédure pénale recommande effectivement l'obtention d'une copie du dossier, la communication du dossier de procédure aux parties en présence, mais en plus, du point de vue des principes généraux de droit, il est impératif que le tribunal tranche l'affaire et demande au commissaire du gouvernement de mettre à la disposition des parties, des autres parties, c'est-à-dire que la partie civilement responsable, qui est l'État du Cameroun, et les parties de la défense, le dossier de procédure. Et ça a été bien expliqué de part et d'autre. Parce que d'après lui, ça garantit le droit à un procès équitable. Et je vous dis que c'est important que vous reteniez cela dès l'entame parce que ça va déterminer la suite de tous les débats toute la journée et la question fondamentale de la question de la crédibilité même du tribunal. Parce que pour lui, donc, ça garantit l'égalité des chances, l'égalité des armes devant le tribunal et le principe du contradictoire et surtout le droit à un procès équitable. Donc, à ce niveau-là, il a dit que non, il y a deux niveaux. La question de l'enquête préliminaire et la question du dossier de procédure judiciaire. Ce n'est pas, tout ça, ce n'est pas isolé. Ce n'est pas isolé. Pour lui, la question ne se pose pas. C'est un droit inaliénable, un droit de la défense. Faute de quoi, on peut évoquer une nullité de la procédure. Puisque, d'après l'article 3 du Code de procédure civile, lorsque les droits de la défense, lorsqu'une règle de procédure est violée, ça doit automatiquement conduire à la nullité du procès. Donc, pour lui, donc, même un seul exemplaire peut suffire pour que les gens
multiplie et qui pouvait avoir assez à cela. Et pour lui-même, c'est un principe qui doit être, qui est érigé maintenant en maxime juridique. Il s'agit d'un principe auquel nul ne peut, ne saurait donc déroger. Et c'est là où le deuxième temps fort de cette première partie, le bâtonnier a pris la parole pour rappeler à l'intention du président que pour aider le tribunal à mieux comprendre l'importance de cette demande, je peux dire préjudicielle, c'est-à-dire de cette requête avant dire gloire, je peux dire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on résolve ce problème en amont, la question de la communication de du dossier. Il lui a dit que, et c'est historique aussi, au niveau du tribunal militaire, les avocats, tous les avocats de toutes les parties se sont réunis. Les avocats de la défense, les avocats de la partie, les avocats de la défense, ça veut dire que tous les accusés, là, leurs avocats, se sont entendus. Avec les avocats des parties civiles, c'est-à-dire que la victime, Martinez Ogo, avec les avocats de la partie considérée comme civilement responsable, l'État du Cameroun, la DGRE, ils se sont réunis, ils ont fait une réunion et ils se sont accordés que, encore, de manière unanime, de manière concertée, ils vont demander un dossier de procédure. La copie d'un dossier de procédure parce que ça permet d'avoir un jugement équitable, un procès équitable. Le barreau du Cameroun, non, a décidé. Et c'est historique que les avocats obtiennent, en fait, fassent entendre leur voix de manière unanime auprès du président du tribunal pour qu'il leur donne un dossier de procédure, une copie du dossier de procédure. Et en cela, ils sont associés même aux avocats de Bruxelles qui sont partie prenante dans l'affaire, qui défendent l'accusé Eko Eko. Donc, toutes les parties. Et ce qui était émouvant dans ça, c'est que même le parti de la défense défendait même les éléments de violation, faisait voir les éléments de violation des droits de la victime. Vous imaginez que la partie qui défend les accusés arrive à dire que non, même la partie de la partie civile, les victimes, c'est-à-dire les gens contre qui se battent devant le tribunal, leurs droits ont été violés. Donc ça montre que jusqu'où le procès est entaché de beaucoup d'irrégularités. Donc, le bâtonnier est donc à rappeler au président que ils ont désigné trois avocats. Un, Maître Diop. Deux, Maître Kalefak. Likefak plutôt. Sorry, c'est la fatigue. Et ensuite, Maître Ndjana. Maître Ndjana qui représente la partie défense. Maître Diop qui représente la société les victimes. Et Maître Likefa qui défend maintenant l'État du Cameroun avec Maître Claude Assila. Donc, le bâtonnier a donc dit au président qu'il laisse la parole à ces trois-là pour qu'ils expliquent. Et ça a été un moment très important de plaidoirie. Un moment de haute facture. Où, bien évidemment, Maître Diop, Maître Likefak, Maître Ndjana ont tenu en haleine toute l'assistance. Bien évidemment, la collégialité et le ministère public pour défendre l'élément clé de l'obtention d'une copie de dossier de procédure. Et, mesdames et messieurs, ça a été un moment très important qui restera dans les annales parce que on a vu défiler des éléments d'histoire de la juridiction, de la justice à travers le monde. L'histoire comparée de notre justice avec les justices des autres parties de la sous-région, des autres pays, pour qu'on essaie de voir, de convaincre le tribunal d'adopter de manière lucide, de manière logique, parce que les avocats sont revenus dessus. Je vous épargne beaucoup de détails parce que tous ces détails, vous les aurez dans le livre que je suis en train d'écrire sur cette affaire-ci. Parce que là, je ferai plus d'amples explications pour montrer vraiment l'importance de ce moment clé de la procédure. Donc, Maître Diop, d'abord,
a expliqué qu'unanimement, les avocats, quels que soient leurs intérêts, ont décidé de se mettre ensemble pour exiger l'obtention d'une copie du dossier de procédure. Et il a évoqué, effectivement, que, à travers un adage, que le droit, c'est l'art du bien et du stable. Il a vraiment, en fait, il prêchait, en fait, il prêchait le bon sens. Il prêchait la logique judiciaire qui devrait prévaloir au tribunal. Et c'était vraiment émouvant, c'était tendu, c'était vraiment inspirant, c'était quelque chose de fort, quelque chose de lourd, quelque chose d'instructif. Où, en même temps, on voyait les principes de droit, le principe du droit équitable, un procès équitable qui était vraiment brandi. Et il disait que non, l'article 413, sur lequel se cramponnait le commissaire du gouvernement pour leur refuser l'accès, ou du moins l'obtention d'une copie du dossier, n'était pas justifié ici. Parce que pour lui, c'était la suite du procès. Parce que le procès, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe en fait. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que j'ai dit que je ne commente pas. Parce qu'il est interdit de commenter de manière pour créer les susceptibilités dans le procès. Je reste dans l'analyse. La présentation froide de ce qui se passe. Le commissaire du gouvernement dit que non, nous sommes déjà en état de jugement, au niveau du jugement. On n'a plus besoin donc de revenir sur certains détails, quand les gens se contentent de ce qui se passe au niveau du procès en termes de jugement. La question de l'instruction est déjà terminée. Et pour lui, pour le premier, pour tous les trois avocats, Maître Diop, Maître Likefak, Maître Njana, il n'est pas question qu'on convoque l'article 413. Parce que pour lui, c'est une, pour le maître Job, c'est une machination. C'est-à-dire qu'on veut violer la loi, mais on convoque la loi. Hein, d'après lui, ne considère que la consultation, d'après le commissaire du gouvernement, n'évoque que la consultation du dossier. Donc, il est cramponné dessus. Pour le maître Job, c'est un stratagème pour violer la loi en prétendant la défendre. J'ai dit ce qui s'est passé. Pour lui, c'est l'article 165 du code de procédure qui justifie qu'on communique le dossier de procédure. Parce que cet article crée la légalité des parties. L'égalité des parties. Donc, il ne peut pas, le commissaire de gouvernement, d'après lui, ne peut pas prétendre que non, on ne va plus communiquer seulement cette partie et les actes peuvent être laissés de côté parce qu'effectivement, c'est une nouvelle étape. Une étape qui n'a rien à voir avec les étapes sur l'instruction. Non. D'ailleurs, pour les trois, il faut associer aussi bien l'instruction, avec les décisions du juge d'instruction, que le moment de la pratique, le moment du jugement, parce que, et là, c'est Maître Bouni qui l'a très bien exposé par la suite, lorsqu'il a pris la parole, que vous ne pouvez pas, et c'était aussi un moment très important, où je sentais que le président lui-même était en difficulté. Ça, je sens, mais on dit qu'il ne faut pas donner le sentiment. Mais j'analyse, comme le président lui-même avait dit un jour, lorsqu'il demandait, je vous avais rappelé cette affaire-là aussi au début, qu'il y avait un comédien là, un accusé là, je connais son nom, mais je préfère le taire, c'est son nom, qui avait tué les lunettes. Le président avait. Et là, moi, j'ai aussi analysé l'expression de son visage. C'est pourquoi par la suite, il a eu une longue consultation avec les autres. Pas parce qu'il est en difficulté, vu que ce qu'on lui demandait était insensé, ou bien qu'il se sentait coupable, mais les arguments par rapport à sa posture, par rapport à ce que défendait le ministère public, tendaient à voir l'expression de son visage, l'expression de tout, tendaient à voir qu'il prend ça, que c'est un moment très important parce que c'est une question de bon sens. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se disaient là qui sont vraiment le propre du bon sens. Donc, c'est le droit, c'est l'art du bien. Et je vous rappelle que j'ai discuté avec Feu Annaba Mbo qui me disait non. C'est-à-dire que c'est la philosophie, c'est quelque chose de normatif. On ne peut pas prétendre faire rendre justice et être dans le fou. Donc voilà. Donc pour mettre le job, donc c'était quelque chose d'important. Il fallait vraiment qu'on revienne sur ça. Et il est allé plus loin en convoquant même l'article 170 où on dit même effectivement que le conseil ou l'accusé doivent aller au-delà de leur confort pour aller prendre les éléments au quotidien, les éléments du dossier. Donc pour lui, il y a donc nécessité
de mettre un terme à ces lacunes. Pour lui, c'est des lacunes qui ne sont pas voulues par le droit, mais c'est des lacunes qui doivent être surmontées par le tribunal lui-même. Et c'est le rôle du tribunal, et c'est de combler ces lacunes-là. Donc, ça a été très long. Il est allé jusqu'à convoquer l'exemple du Gabon, du Tchad, de RCA, où dans toutes ces questions-là de sous-région, dans tous ces endroits, dans la sous-région, toutes les juridictions permettent, instruisent le tribunal de donner une copie du dossier au parti. Donc, pour lui, il n'est pas correct de se prononcer sans consulter les lois dans leur totalité. Pour lui, si le président estime que les textes ne sont pas suffisants, il convoque les principes généraux de droit. Et là, ça va de soi. Et même jusque-là, d'après lui, les textes sont clairs. L'article 160. Il est allé plus loin. Il est allé dans une histoire d'historique des pratiques judiciaire au niveau au niveau de la France, dont nous sommes une des émanations au niveau des questions judiciaires. Il a allé jusque-là par les références aux décisions du Conseil d'État, qui, à un moment, vu ce qui se passait, vu les lourdeurs que cela provoquait, où un avocat était obligé d'aller s'asseoir pour recopier, parce que le commissaire du gouvernement prétendait que, excusez-moi, prétendait que les avocats doivent aller prendre des notes. Et l'avocat, le maître Job, a dit non. On a vu au niveau de ça, c'est même des choses réglées depuis les années 60, depuis les années 50, où le Conseil d'État a dit non, ça ne sert à rien de rester là, de venir toute une journée pendant 2 mois, s'asseoir pour prendre des notes. Donc, il faut régler cette question-là préalablement. Donc, pour lui, donc, il faut. Il allait jusqu'à mobiliser la littérature avec Antigone et c'était vraiment émouvant. Et pour lui, c'était faire preuve de conscience professionnelle et travailler à la grandeur nationale, d'après lui. Donc, il allait jusqu'à convoquer les statuts des textes juridiques internationaux pour dire que c'était important. Et Maître Kemwe a interrompu cela un peu, cette plaidoirie, pour ajouter. Pas interrompu en fait au terme du prêche, c'est un prêche de Maître Job. Maître Kémoin est venu donc enfoncer le clou en disant que le fondement donc du refus du commissaire du gouvernement est totalement illégal. La loi du qui organise le à cette violation du code de procédure pénale, dont les dispositions générales détermine effectivement, crasse la voie pour le respect des droits de la défense. Donc pour lui, c'est une violation donc, de cela. Le deuxième moment, donc, c'est Maître Ndiana qui a pris la parole pour expliquer que le droit à un procès équitable commence par l'architecture de la salle d'audience. Et il a expliqué jusqu'au président du tribunal qu'il est déjà seul là-bas, en haut. Avant, jusqu'en 1990, le ministère public siégeait à côté du président et de la collégialité. Là, maintenant, ils sont en bas, c'est-à-dire au même niveau que les éléments de la défense. Donc, le ministère public, le commissaire du gouvernement, est une partie comme les autres au procès. Donc, prétendre qu'il va suivre la voie du ministère public, comme c'est le cas d'après Maître Ndiana. Maître Ndiana dit que non, le président est en train de suivre bêtement le commissaire du gouvernement. Or, le commissaire du gouvernement n'est qu'une partie sur les trois parties, en fait, sur les autres parties. Et que c'est faux ce que le commissaire du gouvernement dit. Le commissaire du gouvernement dit que le tribunal fait partie du procès. Non. Il rappelle donc que non, le tribunal, le président du tribunal et sa collégialité sont au-dessus de toutes les parties, donc ils doivent être des arbitres. Donc, et que sur cette base-là, il devrait vraiment trancher et tenir compte de la vie des parties impliquées, c'est-à-dire la défense, le ministère, les avocats. Les avocats de la victime
et les avocats de la partie se considèrent comme civilement responsables et que les avocats ne doivent pas jouer ou faire valoir. Le dossier doit être communiqué. Pour lui, il n'est pas fondé de prétendre qu'il y a une contradiction entre la communication des dossiers, les procédures, la consultation des dossiers. Ça, ce n'est pas conforme au texte. Et pour lui, c'est une manipulation donc, des dispositions de la loi pour interpréter, on ne sait sur quel, pour quel but. Et pour lui, c'est donc une violation de la loi, une violation de la loi qui ne devrait pas prospérer. Parce que pour lui, il y a un autre principe. La question, quand on dit que le principe de la légalité de la preuve, parce que si on ne résout pas ce problème-là maintenant et que on retrouve les preuves dans tous les réseaux sociaux et ainsi de suite, on va se retrouver à une situation où les gens vont mobiliser les preuves et on va leur dire quelle est la légalité de cette preuve-là. Parce que la légalité de la preuve doit reposer sur le fait que comment tu as obtenu la preuve et est-ce que cette preuve est consistante. Et tu ne dois juger de la consistance de la preuve si, au niveau de la forme, la forme est déjà biaisée. Donc c'est important qu'on comprenne l'importance. Qu'on comprenne cette subtilité-là. Donc pour lui, il faut que le président se prononce de manière séparée sur les questions de principe et sur les questions, ces questions-là. Parce que le président ne peut pas simplement dire que j'ai fait une mention, que vous avez fait des observations. Non. Il doit trancher. On lui pose des questions de droit et il doit trancher. Et le bâtonnier est revenu dessus. Pour ces questions fondamentales. Parce que pour lui, le tribunal statue par un jugement, sur tout. Sinon, le tribunal ne fait pas son affaire, ne fait pas son travail. Et il est allé jusqu'à mobiliser les questions de droit judiciaire privé pour en soutien de sa cause. Par la suite, donc, il y a eu une longue concertation où le président s'est réuni, bon, en fait, s'est concerté de manière publique avec ses autres, avec les membres de la collégialité. Et on voyait bien qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Par la suite, il a donc donné la parole au commissaire du gouvernement pour voir qu'est-ce qu'il a à répondre par rapport à cela. Et là, c'est le deuxième moment. C'est là où on a vu effectivement que. Je ne dirais pas l'entêtement du conseil du commissaire du gouvernement, mais il est resté figé sur ses positions, en observant d'abord que la question de la communication de la communication du dossier de procédure n'est pas la question est à régler pour lui. Donc ça ne sert à rien de revenir sur ça parce que pour lui la question est réglée à l'article 413. On n'a pas besoin, on doit venir consulter le dossier de procédure. Il a dit que ça s'explique du point de vue des usages. Il va rejeter ça parce que les autres avaient convoqué les usages et ils avaient convoqué les questions de disposition légale. Pour lui, donc, justement, à ce niveau-là, il faut même annuler, il faut rejeter les demandes parce que dans les usages de la maison, on n'a pas besoin de ramener ce qui se passe à la Cour suprême, ce qui se passe parce que les autres convoquent ça, et qu'on ne nous amène pas les choses qui se passent à l'étranger. Et c'est là où ça a mis un peu. J'ai vu un malaise du côté de la défense qui est revenu sur ça, pour dire que non, ça ne se passe pas. Maître Bounier est revenu sur ça. Il a dit non, ça ne se passe pas. L'ailleurs, là, ce n'est pas l'ailleurs, c'est ici que ça se passe, dans cette juridiction. Dans ce tribunal, on a vu les cas où on a remis les dossiers de procédure, la copie du dossier de procédure aux gens, et cela ne pose pas de problème. Donc, pour le commissaire du gouvernement, il ne faut pas savoir, il ne faut pas savoir ce qui se passe ailleurs. Ça se passe, ce qui se passe ici, c'est que la loi dit qu'on ne doit pas, d'après lui, l'article 413 est formé là-dedans, on ne doit pas donner une copie de procédure, du dossier de procédure. Et même du point de vue des dispositions légales, tout ça est réglé. Et on n'a pas besoin de rentrer beaucoup à être spécialiste du cours de procédure pénale pour comprendre cela. Donc pour lui, c'est déjà réglé. Aussi bien au niveau de la loi de 2005, la loi de 2006, la loi de 2011, portant juridiction militaire au Cameroun, etc. Tout ça est réglé. Et pour lui,
il y a le principe du contradictoire qui est respecté, puisque tous les avocats parlent. Donc, le principe du contradictoire est respecté et que la seule chose qui doit prévaloir, c'est le respect de l'article 413 du code de procédure qui demande que le dossier soit consulté par les parties. Donc, pour lui, ce n'est pas un procès kafkaïen, ça c'est ça c'est les juments proprement de, en fait, juments de valeur qui ne tiennent pas lieu dans ce procès parce que on a respecté le droit de la défense, on ne peut pas convoquer la nullité sous le prétexte que l'article 165 n'a pas été respecté, n'aurait pas été respecté. Parce que pour lui, il y a trois moments. La question de l'enquête préliminaire, la question de l'instruction, juge d'instruction, et la question maintenant du jugement. Donc, on ne peut pas associer tous ces trucs-là pour lui, ouais, tous ces moments pour lui. On doit distinguer. Donc l'instruction a ses règles. Ça ne peut pas être les mêmes règles maintenant qui doivent être appliquées. Donc, il faut faire le distinguo. Sinon, on mélange tout. Et c'est pourquoi, d'après lui, le jugement, le tribunal ne doit pas suivre les demandes formulées par les parties. Oui. Bon, donc, il dit donc toutes les autres dispositions sont inopérantes en phase de jugement. Donc, en phase de jugement, on doit seulement s'attendre à ce que l'article 413 dit, il faut consulter le dossier de procédure au jour le jour. Donc, dès qu'on met une pièce, on est fondé à la consulter. Donc, chaque fois. Bref, c'est ça que lui, il a compris de la loi. Donc, pour lui, ça permet d'éviter la manipulation des réseaux sociaux parce que pour lui, tout ce qui est fait, c'est pour que, et tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux vise à décrédibiliser le jugement avec le travail qui est fait par le tribunal parce qu'il y a trop de sous-entendus. Et la justice ne doit pas être rendue au nom de cela. Donc, c'est ici, dans la salle d'audience, donc la justice doit être rendue. Et pour lui, c'est une affaire réglée. Parce que le tribunal a déjà tranché, a pris des décisions. Et ça a provoqué un tollé dans la salle. Puisque, bon, t'as de tollé dans la salle parce qu'on savait que ce n'était pas une décision, c'était une mention. Et vous savez que le diable se cache dans les détails. Ce qui a valu même le respect, le rappel à l'ordre du président par rapport à cela. Donc, pour lui, on ne saurait même d'ailleurs convoquer les principes généraux de droit, puisque la question est réglée dans la loi, avec l'article 413. Donc, pour lui, la question de la violation de la loi et les questions lorsqu'on soulève les questions de nullité avec l'article 3 du code de procédure pénale, pour lui, ça n'a pas lieu d'être. S'il y a une violation de la règle, de la loi, il y a une nullité du procès, certes, mais là, dans le cas d'espèce, la loi est respectée. Ce n'est pas une question d'ordre préjudiciel à régler en amont. Et à ce niveau-là, vu cette intervention-là, le président a donc décidé de prendre une pause, de mettre un terme au débat et de renvoyer. De suspendre l'audience pendant 30 minutes. À ce niveau-là, j'ai dit à mon voisin que la question de la communication du dossier est importante ici et que on ne va pas avancer si on n'a pas communiqué ce dossier parce que beaucoup de choses se cachent dans ce refus de communiquer le dossier. Et là, c'est sûr, les avocats. Et si la question n'est pas réglée, on ne pourra pas avancer parce que tout est possible. Lorsqu'on laisse, et ça c'est les commentaires, je vous dis les commentaires que je faisais avec mes voisins de banque. Lorsqu'on laisse la procédure, ça c'était ma lecture de ce qui se passe. Lorsqu'on laisse le dossier de procédure, lorsqu'on décide de laisser le dossier de procédure, de le retenir, de ne pas le donner, il y a moyen que, et Maître Bouni l'a mentionné, il y a moyen qu'on l'a mangé plus tard, parce que c'est ce que je disais à mes voisins de banque. Et parce qu'il y a moyen qu'on ajoute des pièces, qu'on soutient, etc., etc. Or, si on décide que voici le dossier positif, on peut ajouter les pièces par la suite. Et que chacun a le dossier, ça évite donc la manipulation des réseaux sociaux, comme on a dit. Et c'est pourquoi beaucoup se sont posé la question, pourquoi
les gens, qui a intérêt à ce que ce dossier ne soit pas communiqué aux parties. Lorsque le président reprend le tribunal, il a dit, le président après le délibéré, entre guillemets, il a dit que le tribunal constate que les moments, les instruments internationaux évoqués parlent d'accès au dossier de procédure et non de communication d'une copie. Et il constate que ce droit est entré dans la législation camerounaise avec l'article 413, le fameux article 413 que convoque régulièrement le commissaire du gouvernement. C'est important que vous compreniez cela. Parce que là, il a suivi à la lettre les réquisitions du président du commissaire du gouvernement. Donc, pour lui, il est important que le dossier de procédure soit juste mis à la disposition des parties pour consultation. Pour lui, c'était clair. Donc, l'affaire est réglée et c'était une mention. Et ça fait donc quelque chose de très grave dans la salle parce que tous les avocats, que ce soit la partie civile, que ce soit la partie civilement responsable, c'est-à-dire l'État du Cameroun, que ce soit les avocats de la défense, tous ont été unanimes pour rejeter et pour dire par la suite que c'est une instrumentalisation de la justice militaire aux fins inavouées des parties cachées. Donc, par exemple, pour Blaise Ngos, le maître Blaise Ngos, il a dit donc comment il va expliquer en 16 ans de pratique d'avocature, il n'a jamais vu cela. C'est la première fois que cela arrive. Et il ne comprenait pas comment cela pouvait être possible. Et c'est inédit. Parce qu'il dit, supposons qu'à l'audience, on dit que bon, tu avais dit qu'on rentre dans les débats comme le président dit, parce que le président insiste pour qu'on ouvre le débat. Et lui dit non, monsieur le président, supposons que un jour là, on va dire à mon client que non, tu avais dit tel jour que machin, et que son client dit que non, moi je ne me rappelle plus, j'avais signé ça où. Et est-ce qu'on va arrêter le procès pour aller fouiller dans les archives? Non. Or, si quelqu'un a le document, on dit non, regarde telle pièce et on consulte la pièce. Et ça pose un problème, donc, même pour aider le procès, parce que l'intention des avocats, c'est pour aider le procès, comme l'a dit encore Batonet Chunga. Et c'est ça qui interpelle dans cette affaire. Et il dit que du point de vue de historique, il faut vraiment que pour la grandeur de la justice, qu'on respecte les procédures et les règles qui sont édictées par la loi. Et elle a dit que le barreau a pris position et qu'il est important que le président suive ses demandes. Parce qu'il s'agit du bon sens pénal. C'est-à-dire que toutes les décisions doivent être prises en fonction de ce bon sens. Ce n'est pas seulement en se cachant derrière un article de loi pour priver les parties en présence du droit à un procès équitable. Parce que pour lui, il faut que le président se prononce. Parce que s'il prend une décision, cette décision permettra qu'on s'y plie ou bien qu'on fasse recours. Or, s'il ne prend pas une décision, ça pose un problème. Et le grand moment aussi, avant le moment où le bâtonnier Chunga a pris la parole, c'est le moment crucial. Après cet instant du commissaire du gouvernement, Maître Claude Assiera, l'avocat de la défense, a pris la parole de manière solennelle, de manière très touchante, où il a, de manière véhémente, avec et je vous rappelle que c'est l'avocat de l'État du Cameroun. Il dit que ça ne peut pas se comprendre que dans un état de droit, le tribunal refuse l'accès, l'obtention d'une copie du dossier à la défense, à la partie civile, à la partie civilement responsable, qui sont réunis en cœur pour exiger ce document. Et ça a été un moment tellement poignant que j'avais l'impression parfois qu'il suffoquait. Il ne comprenait pas pourquoi le tribunal s'entêtait
a refusé d'accorder cela. Il se sentait très blessé. Il a dit même que je suis très blessé. Il dit au président qu'il n'est pas lié par ces décisions. Par ces mentions qu'il veut dire. En fait, l'affaire, c'est quoi? C'est que le président dit que non, je n'ai pas encore décidé. Ou bien, je ne veux pas décider sur ça. J'ai juste fait des mentions. Et il dit non, ils ne sont pas aussi. Ils ne sont pas. En même temps que le président n'est pas lié par ces mentions. En même temps, eux aussi ne sont pas liés par ces mentions parce qu'ils ont besoin d'une décision. Ils ont besoin d'une décision pour comprendre ce qui se passe. En tant qu'officier de justice, ils ne peuvent pas aller commenter les décisions du président, mais en même temps, ils ne peuvent pas laisser le président s'embourber. Ils ont insisté là-dessus. Leur rôle, a-t-il dit, Maître Claude, c'est pour aider à la manifestation de la vérité, pour aider le tribunal à faire son travail. Et il a dit de manière grave que le commissaire du gouvernement est en train d'induire le président en erreur, en l'amenant pieds et poings liés à ne regarder que la question de l'article 413 qui dit qu'il faut juste communiquer le débat, le dossier de procédure. Parce que pour lui, cette affaire est un tout. L'enquête préliminaire, l'instruction et le jugement doivent être prises en compte à tous les niveaux. Parce que le tribunal est là pour réparer les lacunes. Et pour lui, seul l'article 165 doit être mobilisé pour justifier l'obtention, la mise à la disposition de toutes les parties d'une copie du dossier. Parce que pour lui, ce qui n'a pas été réglé à l'instruction peut l'être au niveau du jugement. Et c'est une continuité. On ne doit pas faire une scission, comme le fait le commissaire du gouvernement, entre la question de l'enquête préliminaire, la question de l'instruction et la question du jugement. Donc, on ne peut donc pas compter, quel que soit, on ne peut pas accepter que quelqu'un soit tué comme ça, dans ces conditions, d'après lui. Et qu'on joue, on ruse comme ça. Pour lui, ça ne se comprend pas qu'on puisse, que le commissaire du gouvernement dise qu'on doit seulement se contenter de ce qu'on. Ce qu'on est en train de faire au niveau du jugement, pour lui, ce n'est même pas logique, de manière juridique. Donc, nous n'avons pas à suivre, le président n'a pas à suivre donc, le commissaire du gouvernement dans ses élaborations. Parce que sinon, la décision que le président serait amené à prendre serait contraire aux usages, contraire aux principes, contraire aux dispositions légales en la matière. Et à mettre assis là de s'écrier, qui a intérêt à ce que la manifestation de la vérité, à ce qu'il n'y ait pas de manifestation de la vérité? Qui a intérêt que le dossier ne soit pas mis à la disposition de tous? Bien évidemment, cette question a embarrassé beaucoup de gens. Parce que pour mettre clos à cela, la nullité qui est évoquée, ce n'est pas seulement parce qu'elle serait écrite. Mais parce que certaines sont consubstantielles. Le refus d'obtenir une coupe, de donner à la disposition de toutes les parties, toutes les armes, pour qu'ils aillent combattre à armes légales, à armes égales, c'est-à-dire qu'ils fassent prévaloir leurs idées à armes égales, ça pose un problème. C'est une nullité consubstantielle d'ailleurs. Hein? Pour lui, la communication du dossier est une cause fondamentale. Et le refus est une cause de nullité. Donc, pour le mettre clos à cela, il a dit au président qu'il n'aura jamais la paix dans le procès si cette question n'est pas réglée. Et pour lui, la décision que le président serait amené à prendre à l'issue du procès, si cette question n'est pas réglée, ne sera pas comprise par les gens. Parce que, pourquoi? Parce que lorsque le président, et ça c'est l'exemple qu'il a donné, lorsque le président décide de mon ancien, mon téléphone est déjà presque à terre. Il y a beaucoup de problèmes de lumière ici. Donc pour lui, donc quand le président décide de se limiter à des mentions, au lieu de rendre une décision qui est susceptible de recours,
Ça veut dire qu'en fait, il se lie lui-même les mains et, ça, et son jugement, par la suite, après coup, est vidé de toute substance légale. Et il a dit très bien l'adage, quand c'est flou, c'est qu'il y a loup. Et de manière assez brutale, il a dit au président qu'il est en train de se noyer. Ça, c'est les éléments très importants. Et Maître Mbouni a été plus que cinglant quand il a pris la parole. Ça tournait. C'est-à-dire qu'on sentait l'émotion traverser toute la pièce, traverser même au-delà de la pièce. Pour lui, le président ne protège pas les clients. Le président ne protège pas les partis. Pour lui, donc, les décisions de justice doivent être soit contestées, soit acceptées. Or, si c'est parce que le président est en train de leur priver même du droit de contester leur décision. Pour lui, donc, on ne peut pas se contenter seulement du jugement. Parce que dans la salle, il y a des gens qui n'ont pas été assistés au niveau de la procédure, de l'instruction. Et là, ils risquent la peine de mort, la peine capitale et la peine à vie. Prison à vie. Comment donc on va dire qu'on va seulement se contenter du jugement? Sans voir, est-ce qu'ils ont été d'abord eu, ils ont eu un procès équitable au niveau de l'instruction, et ainsi de suite. Ou ils n'avaient pas d'avocat, pour certains, ils n'avaient pas d'avocat. Pour lui, c'est une aberration absolue. L'avocat qui vient au jugement, oui, il a des coudées franches. Mais s'il n'a pas été à l'instruction, le président, le jugement est comme une sorte de reprise de l'instruction. Il a dit ça au président. C'est le défi d'instruction qui se poursuit. Comment dit donc comme le commissaire du gouvernement que non, on ne doit pas regarder les phases d'avant. Qu'est-ce qu'on a à cacher? C'est une violation fondamentale de la loi et une cause de nullité, d'après lui. Donc pour lui, si l'avocat n'a pas la possibilité de contester, si l'accusé n'a pas la possibilité de contester un acte du président, si le président prive l'accusé de se faire juger en tenant compte du fait que peut-être il n'a pas été assisté au niveau de l'instruction, et qu'on doit tenir compte de tous les éléments, alors il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que on donne l'impression qu'on est en train de cacher quelque chose. Et là, pourquoi effectivement les articles 165 et 172 qui garantissent les droits de la défense? Parce que si le dossier n'est pas communiqué, alors les droits de la défense sont violés. Alors que il serait simple pour lui qu'on remette directement une copie du dossier et la question est réglée. Et pour lui, c'est la première fois que le conseil du gouvernement refuse de communiquer un dossier. Et il a demandé au président que, puisque le président dit que le tribunal est sage, il faut donc que le tribunal écoute les conseils des sages. Parce que si les sages ont besoin de conseils, pour lui, donc, on veut créer un précédent au tribunal militaire qui est dangereux pour le Cameroun. Et ça a été très, très dur. Ça a été très dur. Que, d'autant plus qu'il a dit que non. Le dossier, il a demandé un huis clos. Lui, en tant qu'avocat de temps, oui. Avocat. Il a compris que c'était important que le tribunal statue de manière en huis clos. Mais si on l'a rendu normal, tout doit être normal. Tout doit être dehors. Il demande pourquoi donc, qu'est-ce qui ne va pas dans le dossier? Pourquoi on dit que le dossier doit être public, le procès doit être public et on veut cacher les documents. Et pour lui, on a compris, il est dans l'incapacité de défendre son client et que dans ces conditions-là, les jeux sont pipés d'avance et ça ne sert à rien. Et l'avocat de Eko a continué dans ce sens-là. C'est les Eko qui viennent de la Belgique. Il dit là, les avocats. Les partis en présence, les avocats de la défense notamment, font là l'expérience d'un obstacle d'irriment. On ne peut pas surmonter cet obstacle-là. On ne peut pas
prétendre ouvrir le débat si cette affaire-là n'est pas réglée. Donc, justement, l'attitude du tribunal d'appel, lui, favorise la suspicion. Comment ouvrir le débat alors que les gens n'ont pas assisté au dossier? Pour lui, c'est kafkaïen. Maître, un autre avocat, l'avocat d'un accusé, lui, il est venu simplement me brandir un dossier vide. Il dit, mais vous voulez que j'aille défendre quelqu'un qui reçoit la peine de mort ou bien la peine de condamnation à vie? Regardez mon dossier. Il n'y a que peut-être ma lettre de constitution ici. Il n'y a rien d'autre. Je fais comment? Je défends quoi? Bon, ça paraissait un peu kafkaïen. Même comme le commissaire du gouvernement donnait l'impression que ce n'était pas kafkaïen. Et il dit, mais qu'est-ce qu'on cache dans ce dossier-là? Et le clou de la chose, c'est ce moment crucial où le bâtonnier Tchungang, fort de son expertise, fort de son doigté, fort de sa maîtrise des textes, fort de sa maîtrise des usages, a pris la parole pour tancer le président, pour dire qu'il a violé, son serment. C'était très émouvant, c'était historique parce qu'il a dit que pour une fois, en 40 ans de pratique d'avocat, il n'a jamais vu ça. Et qu'on retienne qu'en ce 6 mai, le tribunal militaire a refusé de communiquer une copie du dossier aux avocats de la partie civile, aux avocats du civilement responsable, aux avocats de la défense. Et c'était historique. Historique dans le mauvais sens. Et il était très mal. Il ne comprenait pas. Il dit que l'Oidoara, il n'est pas là pour commenter. Il dit au président du tribunal, vous n'êtes pas là pour commenter, vous n'êtes pas là pour ruser. Vous êtes là pour prendre des gens, pour prendre des décisions. Vous êtes là pour rendre des jugements. Vous êtes là pour intervenir pour que la procédure marche. Vous n'êtes pas un organe pour juste des propositions. Donc, il a déploré le fait que les règles du jeu soient biaisées. L'unique fois pour lui, en 40 ans de carrière, qu'un tribunal ne rend pas des décisions, des arrêts, qui se contentent de mentionner. Et pour lui, il vient de violer son serment, il vient de violer la procédure, à un double degré, le principe du double degré de juridiction. Ça dit quoi? Ça dit que si vous rendez un jugement inique, un jugement qui n'est pas juste, et que vous m'empêchez même de contester cela, c'est-à-dire que vous vous arrogez dans le droit de refuser que les gens contestent vos décisions, et c'est le summum de l'injustice, d'après lui. Donc, d'après lui, ils ont fait montre de beaucoup de mansuétude en laissant que le tribunal règle cette affaire-là en amont. Et ils se rendent compte qu'ils sont floués. Et ils lui demandent de rendre son jugement. Et comment, dans ces conditions, on peut prétendre qu'on va défendre les compatriotes, on va défendre la liberté, on va défendre... Lorsque le tribunal... muselle la défense, muselle toutes les parties sous le prétexte qui suit les réquisitions du ministère public. Et il demande comment les gens vont nous regarder, comment le monde entier va nous regarder, comment les enseignants de l'université qui sont là devant vont nous regarder, comment les étudiants vont nous regarder, comment nos consultants vont nous regarder. Et pour lui, il ne faut pas ajouter à l'insécurité que nous vivons. Le fait de refuser de décider, le fait de refuser de prendre une décision de manière formelle est un aveu de complicité contre les intérêts de ses clients, d'après ce que le bâtonnier disait. Et il lui dit qu'il ne peut pas s'en sortir dans cette affaire-ci, puisque cette affaire-ci va revenir. Pour lui, ce dossier est truffé de manipulations, truffé de faux documents, de fausses pièces. Et c'était des déclarations terribles. Le dossier est truffé de mensonges. Tu fais de manipulation. On a violé le droit des victimes. On a même, il défendait même les victimes. Je l'ai dit au départ.
Et pour lui, c'est terrible. On ne peut pas prétendre dire qu'on va être en train de rendre justice. Avec des cas comme ça, d'un mort comme ça, d'un assassinat aussi odieux, et prétendre en même temps vouloir sécuriser les intérêts du ministère public. Pour lui, c'était inadmissible. Et cette plaidoirie et pour lui, donc, il faut, puisque le tribunal, le président du tribunal s'entête, il faut donc qu'on notifie les charges aux accusés et qu'on continue. Et les gens vont procéder à des exceptions prima facie. C'est-à-dire qu'avant 10 jours, ils vont se prononcer. Et la question de la communication de la copie du dossier va revenir. Et le président ne peut pas échapper. Il devrait rendre cela, rendre une décision par rapport à cela. Et c'est ce qui a été poursuivi aussi par la partie civile. Sorry. Excusez-moi, je suis épuisé, hein, mais je dois faire mon travail. Donc, pour les parties civiles, ont continué à épiloguer là-dessus et démontrer que ils sont stupéfaits que les gens puissent dire que, comme le commissaire du gouvernement, que on doit se limiter à la communication, à la consultation des pièces. Alors, l'autre moment était là, au niveau d'une autre demande. Les avocats de Martinez Ogo, avec l'une des parties de Martinez Ogo, l'une des parties civiles, a demandé qu'on lève, et c'est important, qu'on lève les scellés sur le corps. Ça a été une demande formulée pour la première fois. Le président a donc demandé que, après cette demande-là, que le commissaire de gouvernement se prononce sur toutes ces questions qui ont été proposées et sur toutes ces questions qui tournaient tout au niveau de la communication du dossier de procédure et sur la nouvelle demande des avocats de Martinez Ogo de lever les scellés. Donc le conseil du gouvernement a dit par rapport à la communication des pièces, ça, pour lui c'est déjà réglé, qu'on applique la loi, c'est tout. Par rapport à lever les scellés sur le corps pour qu'on puisse enterrer le Martinez Ogo, il a dit non. Avant, jusque là, on avait un problème parce que on ne savait pas qui était parti civil, qui n'était pas. Donc avec tout ce qui s'est passé, il faut que les avocats s'entendent pour qu'enfin on lève donc les scellés. Et sur cette entrefaite, le président donc a décidé de renvoyer l'audience de ce jour au 27/5/2024 pour répondre aux différentes objections, notamment à cette question cruciale de la remise de, là il devrait se prononcer, de la remise de d'une copie du dossier au parti, et la deuxième question sur la question de la levée non, il a renvoyé pour deux choses, pour répondre aux différentes objections pour soulever sur cette question fondamentale de la remise d'une copie du dossier, et par ailleurs sur l'autre question sur la constitution de Maître Likefak et Maître Claude Assira comme avocat de l'État civilement responsable. Donc mon point de vue, je ne commande pas cela, mais ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas seulement scandaleux ce que nous voyons au niveau du tribunal militaire, mais c'est sorcier. Écoutez-moi bien. Et que les gens qui sont... C'est vrai que les gens qui sont là, les services secrets, m'écoutent très bien. J'ai mon avis en tant que penseur sur cette question. Je voulais que vous me compreniez très bien. Avant de dire ce que j'ai à dire à l'intention... Je vous dis que j'ai déjà fait 2 jours sans dormir, donc je suis fatigué.
Mais c'est pas grave, je dois faire mon travail. Avant de dire ce que j'ai à dire, je dois informer ceux qui sont là que mais les livres sont disponibles à la librairie des Peuples Noirs et à Douala. Je vais vous donner le numéro demain quand je vais me reposer parce que j'ai déposé ça aussi à Douala. Pour tous les autres, vous me contactez directement au 690 49 93 65 parce que l'autre téléphone, ils ont envoyé ça hier. Comme d'habitude, ils volent mes téléphones partout. Donc, vous allez communiquer, je vais vous communiquer. Vous allez m'appeler donc, ou bien par WhatsApp, vous me dites comment vous faites le dépôt pour que je vous envoie le livre au 690 49 93 65. Ou bien vous écrivez par WhatsApp. Mais je voulais terminer en disant, pour les livres, on va revenir dessus. Parce que c'est important ce dont nous parlons là. Je voudrais que le service secret, que vous êtes là pour comme service secret, comme je ne sais pas quoi, que vous écoutiez bien ce que je vais vous dire. Je ne commande pas le procès, mais je vous explique. Beaucoup de gens le savent. Vous avez failli me tuer. Beaucoup, vous savez que j'ai échappé à deux fois dans cette affaire. Bon. Ce qui est arrivé est arrivé. Il faut qu'à un moment, le gouvernement ait le courage. Il faut leur dire. Attendez, on va revenir sur les questions des livres après, s'il vous plaît. Restons un peu dans le sujet qui nous occupe, la question de. Donc, la question de la mort de Martinez, je vais dire deux ou trois choses au gouvernement, à ceux qui décident dans ce pays. Vous avez fait une erreur, votre affaire a foiré. Il faut avoir la grandeur de reconnaître que votre affaire a foiré. Première chose. Deuxième chose. Tout ce qui se passe là, tout le cinéma qui est en train de se faire là, c'est pour humilier nos services secrets. C'est pour humilier ceux qui sont en charge de certaines actions de sauvegarde de la sécurité de l'État. Nous avons quand même vu de quoi sont capables nos services de renseignement avec des cas Guérandier et autres. Ce n'est pas ce petit truc qui a raté, qui a foiré, qui va nous amener à déprécier nos services de renseignement. Donc, un, votre affaire a foiré. Deux, tout ce qui se passe là, c'est pour humilier, c'est pour qu'on s'aborde même la question de la sécurité intérieure. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Puisque votre affaire a foiré, il faut avoir la grandeur de reconnaître, le reconnaître, de faire. D'élargir ceux qui n'ont rien à y voir. Et si vous ne pouvez pas vous punir vous-même et ceux qui ont initié cela, parce que l'affaire a été organisée, pas dans le sens de l'intérêt supérieur de l'État, mais dans le sens de l'intérêt supérieur des individus, des particularismes. Je ne vais pas donner les détails parce que c'est des questions de sécurité intérieure, sécurité supérieure de l'État. Donc, à mon avis, il est question qu'on arrête cette affaire-là. Un, qu'on dédommage la famille. Non, un, qu'on libère ceux qui n'ont rien à y voir. Amougobilinga, toute la bande, là, ils n'ont rien à y voir. Deux, qu'on reconsidère le travail qui a été fait par ceux qui sont accusés maintenant d'être, je sais pas quoi, bourreaux, je sais pas quoi. Certains ont fait leur travail dans le sens qu'ils croyaient être conformes à leur travail. Je ne défends pas les avocats, les criminels, je ne sais pas quoi, non. Je n'entre pas dans ça. Je veux dire que lorsque l'affaire, on dit chez moi, quand vous êtes en train de produire et que ça rate, il faut recommencer. L'affaire a foiré. Donc l'affaire a foiré, pas parce que les gens n'étaient pas professionnels, je ne sais pas quoi, non. C'est que vous avez associé vos intérêts, vos trucs mesquins, là, vos petits combats à l'intérieur supérieur. Vous avez substitué l'intérêt supérieur, ces petits intérêts particuliers, bêtes là, à l'intérêt supérieur de l'État qui devrait vous guider en tout temps et en tout lieu. Donc, un, libérez les gens qui n'ont rien à y voir, les gens Mugubulinga. Ce n'est pas parce que je l'ai défendu dès le départ, non. C'est parce que justement, ça vous complique la vie inutilement. Deux, cherchez à réparer cela en donnant les punitions qui s'imposent à ceux qui ont exagéré dans ce qu'ils ont eu à faire,
Mais ceux qui ont rendu, qui ont travaillé dans, suivant les normes, suivant ce que retenait l'autre, votre affaire, les usages qui ont prévalu, par exemple dans le cas de Paul Tuta, c'est les mêmes pratiques. Donc, si vous savez que c'est des dispositifs institutionnels, comme les gens qui sont venus ici, tirer sur moi, me braquer les fusils, m'arrêter comme ça en pleine nuit. Mais c'est des pratiques, je ne sais pas, ça peut se comprendre, mais sauf que même dans cette pratique-là, il y a des minimums. Mais si ça a raté, ça a raté. Ayez la grandeur de réparer ça maintenant parce que tout ce qui va se passer là, vous serez humilié toujours parce qu'on saura. Pourquoi on n'a pas anticipé en disant, un, bon, on libère ces gens qui n'ont rien à y voir. Deux, ceux qui ont fait ce travail-là, bon, ceux qui ont fait ça normalement, bon, on vous comprend, on peut vous blâmer, on va vous avertir. Bon, ceux qui ont été au-delà, bon, on va aller punir. Mais en sachant quand même qu'au départ, c'était une réquisition officielle, entre guillemets, d'une institution qu'ils servaient. Depuis des années, ils ont fait beaucoup d'opérations dans ce sens-là. Troisièmement, il faut juste dédommager les familles concernées, la famille Martinez, parce qu'il ne va pas revenir. Il faut qu'on l'enterre. Donc, vous faites durer la souffrance aux gens comme nous, qui sommes sensibles à cette cause. Donc, je vous le dis avec toute la sincérité qui me caractérise, avec tout le sérieux. Je m'en fous, vous pouvez considérer ou commenter tendancieux. Je vous explique ma lecture depuis le départ. Je ne commande pas le procès. Je vous ai dit que je ne commande pas le procès. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas venu même ici là pour me faire la leçon. Personne ne peut me faire la leçon. C'est ce que je fais. Je donne ma lecture philosophique à ce gouvernement par rapport à ce qui se passe. Je m'en fous de ce que vous pouvez dire. Je n'ai même pas besoin de vos conseils. Je vous dis qu'on ne conseille pas un philosophe. Je vous donne ma lecture et je peux défendre ce que je suis en train de dire. Il faut être naïf aussi pour s'imaginer des choses. Un philosophe est dans une démarche républicaine parce qu'il comprend beaucoup de choses. Vous êtes dans vos petites choses là. Moi, je vous explique que je suis au-dessus. Je suis dans le noir. Je suis seul. J'affronte ce que j'affronte. Et ce n'est pas vous qui prenez les risques. Ne venez pas me faire cette petite morale là, bête là, idiotie là. Il faut un grand mouvement de repentance, même au niveau de l'État. Quand au Gabon on dit que non, vraiment vous devez demander pardon, vous croyez que c'est les extraterrestres? Il faut arrêter de me faire des petits trucs là, des petits trucs, des petites menaces, des petites tendances, machin. J'ai peur de la prison. Qui vous dit j'ai même peur de la prison, même de la mort? Même vous me fatiguez avec vos petits trucs là, on parle de vraies choses. Oh.